Ça y est, les premiers crédits IFC 24 Ultimate Team sont disponibles. Si tu veux te faire plaisir dès le début du jeu, n'hésite pas à check la description et n'oublie pas le code AXOSKILL pour une grande réduction. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. Aujourd'hui les gars, énorme vidéo gameplay. J'ai mis surtout des packs ces derniers temps, mais là pour ceux qui aiment le gameplay, vous allez vous régaler. Puisqu'on est passé de la D8 à la D5, j'avais pas beaucoup joué, hein, j'avais pas fait de giga session gameplay en live. Et hier, on a joué 5 heures. Voilà, on a fait vraiment beaucoup de matchs. Il me semble qu'on en a fait 16-17, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé, j'ai pris énormément de plaisir. Et du coup, je vous ai mis les meilleurs moments de ce live avec plein de matchs. Et l'équipe avec laquelle on a joué était plutôt pas mal. Hein. On était bien sûr sur le compte Pay to Win, on s'est fait plaisir. On a acheté Kanté Boost, j'ai acheté du Rudiger, du Ter Stegen et Rolfo en défenseur gauche. Concernant le reste, on retrouve du Cristiano hein, qu'on avait acheté également, le Griezmann paquet, Jota version évoluée, version finale et Putelas en prêt. Voilà hein, pour les grandes lignes de cette équipe. Les mecs, trêve de blabla, je vais vous laisser avec le vif du sujet, à savoir le gameplay, en espérant que ça vous plaise. Et on se capte à la fin pour faire un petit débrief. On va jouer un crack d'entrée. Mais ça serait pas plus mal qu'on joue un mec très fort. Comme ça, ça va me remettre les idées en place un peu. Ouais, c'est pas mal. Ah putain, ouais, pas mal. Pas mal, mais sans plus en vrai. Mais ça va. Les angles, c'est terrible. Ouais, merci Carrasco. Bah voilà, bizarrement. Ouais, c'est... Ah ouais, elle a les cheveux bleus. Ah, Cristiano, mais t'es nul. Il est mauvais aujourd'hui, là. Bon, il s'est barré. Putain, on l'a trop bien joué. Et voilà, bien joué. Hey, magnifique, on voit que je suis très fort derrière. Ah si seulement on pouvait être aussi bon derrière que devant, ça serait top. Hein. Mais ouais, c'est vrai que, mais après je pense que c'est pour tout le monde que c'est dur derrière. Mmh.
bien joué. Heureusement que je cancel, il n'y a pas bu sinon. Putain, regardez devant, c'est trop facile devant. C'est derrière, je suis une quiche mon gars. Ah bah moi aussi, c'est beau celui-là les gars. On avait pris du retard, bon, on a rattrapé un peu. Henri en pré, putain. Ah ouais, deux matchs. Le mec, il a poncé le Henri. À mon avis, il doit trop bien le maîtriser. Ça va être dangereux, là. Oh, bien, Poutelas. Putain, magnifique. Yes! Putain, le power shot, les gars. Le premier content, il rentre direct. On n'en a pas tenté, hein. Là, j'apprends un peu. C'est mes... En vrai, c'est ma... Première très grosse session. Bien joué ça. Yes. Très belle équipe originale, alors vraiment bravo. Il est bon lui hein. Les rageux.
Hein ? Vous avez vu dans le chat certains là ? J'arrête le gameplay pour aujourd'hui. Combien de matchs on a fait sérieusement ? On était à 13 je crois là, 12 ou 13. Bon bah écoutez les mecs, waouh, on a kiffé, franchement on a kiffé. Après on va parler un petit peu de mon avis sur le jeu dans un instant. Concernant les joueurs, c'est vraiment du tout bon à part peut-être Fofana qui est moins fort, hein, il a une carte moins forte que les autres. Et Llorente, je suis pas trop fan, sinon le reste c'était vraiment masterclass. Putelas, elle est monstrueuse, meilleure joueuse de l'équipe. Vraiment, c'est une dinguerie. Jota, version évoluée, c'est un monstre, faites-le. Si vous hésitez encore, n'hésitez même plus, il est trop fort. On a Kanté, Boost, que j'ai bien aimé. Bon, Cristiano, Griezmann, c'est toujours fort. Et la défense, j'ai beaucoup accroché. Les gars, concernant mon avis sur le jeu, parce que là, j'ai beaucoup joué, bah écoutez, moi, j'aime bien pour l'instant. Les débuts du jeu, c'est toujours pareil, en fait. C'est souvent très, très sympa. Maintenant, il y a quand même un déséquilibre entre l'attaque et la défense. C'est flagrant, mais ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. L'attaque est beaucoup trop forte à mes yeux par rapport à la défense. Concernant la défense, justement, moi, je joue en défense avancée. Je sais pas vous, mais moi, je joue en défense avancée. Toute la session, on a joué ainsi. On a perdu juste un match, voilà, hein, sur la quinzaine, vingtaine de matchs qu'on a fait. Donc, c'était plutôt satisfaisant. À vous de voir, les gars, hein, faire le choix entre la tactique et l'avancée. N'hésitez pas à me demander, d'ailleurs, si vous voulez éventuellement une vidéo pour que je vous explique un peu comment ça marche, parce que j'ai à peu près saisi le délire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, les mecs. J'espère que ça vous a plu. On sera en live dans la journée, certainement quand il y aura la vidéo, je serai en live. Voilà, il y a des packs à ouvrir sur le compte à zéro, une vingtaine dont des packs à 100 000 pour espérer choper une belle carte RTTK. Sur ce, je vous laisse, bonne journée à vous, bon week-end et à très vite les mecs, ciao ciao.